Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour la suite du Let's Play consacré à God of War Ragnarok. Alors, on est toujours à Midgar avec, comment ça s'appelle, Freya et Kratos. Ok, des points de vie, pas mal. Allez, là on avait fait, ça on avait tout fait, nickel. Allez, passe par-dessus, n'aie pas peur. Ah, elles ont flairé une odeur. Les légendes dont tu parles sont vraies. Les sœurs du destin abusaient de leur pouvoir. Quand je les ai défiées, elles ont menacé de défaire mon existence. Je les ai donc tuées et j'ai retourné leur pouvoir contre Zeus. C'est la chose la plus dangereuse et inconsidérée qu'on m'ait racontée. Alors ça, on ne peut pas encore le faire. Pas d'un tel pouvoir, ni personne dans tous les royaumes d'ailleurs. Oui, vous imaginez. Si ce pouvoir existait, Odin le détiendrait. Et si Odin le détenait, nous serions dans une merde bien plus noire encore. Assez parlé pour le moment. Soyez prêts. Le lac des Neufs. D'accord. On va où là? Je t'aiderai à trouver ce que tu cherches ici. Mais si ce sont les normes qui t'intéressent, nous devrons retourner au fait. Trop brave, Freya. C'est un menu ça. Attends, on revient pas vers la maison là? C'est vers la baraque ça, non? On dirait. Ce bordel, machin, donjon, sanctuaire des bois. Non, mais là on retourne à la maison là. Non, c'est pas par là, on retourne à la baraque là. Et là le canon. Il y a quoi en haut? Par là, là, par curiosité? D'accord. Rien de plus, faire demi-tour. Donc, pour être clair, tu ne veux pas trouver les normes pour changer le cours du temps, hein? Je ne veux pas non plus. Changer le passé, même si elle le pouvait. Je ne veux qu'une information. C'est déjà bien assez dangereux, d'après mon expérience. Ouais, donc ça, on y est allé. Ça, je m'en rappelle. C'est un morceau de la statue de Tyr. Donc là, le pointe par là. Après que Freyr a été brûlé par les As. Eh bien, après ça, Freyr n'a plus été le même. Du moins, par là. Son insouciance passée a fait place au cauchemar, à la paranoïa et aux accès de violence. Cela n'excuse en rien ce qu'il a dit à mon mariage, mais je peux comprendre d'où venait sa colère. Silence. J'espère que les Nornes vivent à l'abri et au chaud. Une chose est sûre. Midgard, en plein film Belvetteur, ne m'avait pas manqué. Oh non.
nous le saurons bien, c'est tout. Recule, recule. Mais je me suis soigné. Ah, j'abuse. C'est bon ? Une barrière magique nous empêche d'avancer. Quelque chose ici alimente son pouvoir. Un pommeau d'épée. Mon frère, je connais cette poignée d'épée. Sois prudent. Tu es bien placé pour savoir que les armes peuvent abriter l'esprit. D'accord. Si ça ne nous aide pas à trouver les normes, ça attendra. Peut-être peut-on la restaurer. Ok, pas mal. Oh, un beau coffre. Je sens la trace d'une de leurs illusions. Je peux tenter de la dissiper. Ce n'est pas le moment de flâner. Freya a trouvé quelque chose. Non mais ça va, j'ai compris qu'elle avait trouvé un truc. Oh là là. Les normes ne se cachent pas dans un accès mystique. Oh, je peux pas faire ce que j'ai envie avant. Bon, on peut y aller maintenant ou non ? Une fausse piste. J'en ai bien peur. Voyons ce que les louves peuvent trouver d'autre. C'est du norme tout craché. Elles savent que nous les cherchons. Je t'avais dit qu'elles n'apprécieraient pas. Que vient faire la poignée d'épée d'un roi maudit dans l'histoire ? Diversion, coïncidence, que sais-je. Elles diront sans doute que nous étions destinés à la trouver. Les dialogues de Kratos, quoi. Chaque fois qu'il faut parler, il me semble qu'au niveau des dialogues de Kratos, ils sont merdés, les mecs, à chercher... Kratos, parle-moi de ta terre natale. Elle était violente. Oh!
Aïe, aïe. Ça passera. Non. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Et non. Ah. Pourtant j'essaie d'esquiver tout, hein, mais je sais pas, les esquives c'est tellement. Il est tellement lourd au niveau des esquives que c'est compliqué quoi d'esquiver Kratos. Hein. Allez, ça y est. Allez, encore cette merde de sacre con. Ah non, putain. Ah non, mais il faut arrêter. Te fais défoncer, fils. Moindre attaque, tu prends le tarif. Faut arrêter. Le mec, il a affronté les dieux les plus balèzes. Faut arrêter. Tiens, le mec, t'as quasiment une barre d'entière. Le mec te touche, t'enlèves une barre. Ça va. Le mec te touche 4 fois, il te défonce sa gueule. Quoi. Je déteste me battre avec la hache. C'est dégueulasse. Allez, toujours obligé de te faire toucher au début. Hein. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Regarde le peu de vie qu'il a en réalité.
T'as beau le tartiner le mec. Oh, tu le tartines quand même. Non, 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 pas. Allez, Kratos. Bouge ton pion. C'est ça son nom. Je n'arrive pas à me rappeler lequel des dieux l'avait mise. Aucune importance. Je vais me faire défoncer. Si la rage est tout ce qui lui reste, ses raisons sont hors de propos. Alors, vestige fugace d'une flamme du chaos. Ok. Freya, il y a une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que Rimtur a murmuré à ton oreille? Qui? Rimtur, le fils de Tamur, le tailleur de pierre, qui s'est déguisé pour bâtir le mur d'Asgard. Ah oui. Une fois de plus, Odin avait cru bon de m'impliquer dans un pari sans se préoccuper de mon consentement. Si encore il s'était agi du pire de ses travers. Quel pari? Je te l'ai raconté, cette histoire. J'aimerais entendre sa version. Qu'y a-t-il, mon frère? Les loups sont préoccupés. On a traduit. Un projectile. Oh là! Ah, faut se calmer, toujours plus. Je sais pas trop me faire toucher sur tout ça. Un peu, c'est bon, tranquille. De gémir. Ouf. Ah, il s'est joué un poil de pion là. Hein. Trouver l'emplacement sur la carte. Ok, allez, petit argent juste là. Maudit loup. J'en ai assez de ton manque de sympathie pour tes propres bêtes. C'est Demos, n'est-ce pas, mon frère? J'ai eu tort de te parler de Demos. Je te retrouve dans ces loups, dans leur peur. Ne restons pas là. Là, là? Bien ici. D'accord. Silence. Il est adorable, Kratos, mec. Tout le monde dit adorable. Voyons voir. Je ressens quelque chose dans cette direction. Mais quoi exactement? Mais on est déjà allé là. Viens de cette part. Les normes cachent quelque chose. On y est déjà allé. Tu pouvais pas le voir avant? Oh non. Toujours rien. Rien. Si.
Encore il y en a pas en face. Un piège. Qu'est-ce que c'est ce double? Oh oh oh, joue. Ça, tu vas te calmer de suite, nounou. Il est malade. Il va défoncer ta gueule, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Allez, dépêche-toi. Et ouais, mais fils, t'as pas de vie, t'as pas de soins, t'as que dalle, faut arrêter. Par contre, un truc qui est adorable dans ce jeu, c'est que quand tu te fais toucher une fois par une créature, n'importe quoi, alors là, laisse tomber, alors là... Ah, pour se protéger, il n'y a plus personne, hein. Ouais, calme-toi. C'est bon, tu vas te calmer. Comme des créatures à la noix là. Allez, meurs. C'est bon, ça gonfle plus aussi. Hein. Oh, les autres ils regardent après. C'était le dernier. Votre quête ne deviendra que plus dangereuse. Alors continuons. Retournons au Louvre alors. Qu'est-ce qu'il y avait par là du coup? T'es allé là? Non, du coup je me pose la question parce que soi-disant genre c'est un piège. J'entends l'inné là-bas. Quel dommage pour le tombeau de tir. Mais je prendrai tout ce que tu en retrouves. Oui, rien de plus quoi. Que puis-je faire pour toi? On va juste racheter ça. On y est, on va passer à côté, ce serait bête. Avons-nous d'autres choses à nous dire? Oui, non, non, c'est bon. Oui, bah il te répète toujours la même chose quoi. Oui, voilà, ce que je disais tout à l'heure, on y est déjà allé quoi. Et ça, elle pouvait pas le voir avant, quoi. Tu passais 10 fois devant tout à l'heure et tout, le meuf le fait. Et d'un coup, elle te dit, là, je sens la magie des normes. D'accord. Et avant, tu l'as pas senti, la magie des normes? Genre comme si, d'un coup, après ton passage, ils se sont mis. On va le mettre, mais juste après qu'ils sont partis, tu vois. Au moins, si jamais, ils s'y reviennent pas sur place. Ah, mais les gars... Bien, si nous en revenions à l'histoire de Rimtur, le fils du tailleur de pierre, j'espérais que Freya nous raconterait sa version des faits. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Au début, je n'étais même pas au courant. Odin ne devait pas s'attendre à perdre le pari. Une autre fois, restons concentrés. Endroit. D'accord. Donc là on avait allumé les trucs. Ah pareil, meuf elle t'a pas dit d'un coup. Ah oui. Par ici, nous devons trouver un moyen de monter. Ouais, mais tout ça c'est déjà fait, hein. Elle t'a pas dit non non mais t'inquiète, là on peut y aller là, tu vois. Ici elle va te casser un truc, voilà. Sont mises à faire des murs de glace magique. Non, je pense que l'eau a simplement gelé. Encore tes amis. Je ne leur ai pas demandé de venir. Flambeau,
Oh, c'était rapide. Les Nornes ont persuadé ces maraudeurs de les protéger, même s'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement. Alors, là-bas. Oh, 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 joli coffre, là. Merci pour ton aide. Je sais que ce n'était pas ta priorité. Plus vite nous retrouverons ton fils, plus vite tu arriveras à te concentrer. J'espère que ça va marcher. Moi aussi. Merci. C'est bon ce que tu dis, mon frère. Mais attends donc qu'on soit au chaud pour faire la causette. Alors, soit on peut monter. Alors, on va passer par là d'abord. Parce que là, je pense que c'est pour aller défoncer la pierre. Voilà, ça, ça doit être pour genre défoncer ça là, tu vois. Ça. Et là, tu dois défoncer ça comme ça. Voilà, et là, il y a le coffre. Et accessoire de bouclier. Oh, bah, ça va, c'est pas trop mal. Je gagne en force. Regarde, je peux faire ça. Oh là là, qu'il est lent. Allez, ça y est, et le Kunda. Calme-toi, non? C'est une tarée, là. Oh! Il est malade, ce mec! C'est une tarée! Oh, je t'avais pas vu, toi, c'est le gros. C'est malade! Ah, c'est fou, c'est... Oui, bon, suis. Bon, suis, là, je chante quelque chose, regarde. Juste là! Chanter quelque chose. Ah, je chante plus rien maintenant. J'avais trouvé pas mal des oiseaux quand même. Et j'avais trouvé beaucoup plus que dans le premier. Hein. Le premier, je vous foutais royalement des oiseaux. Oh non. On l'a trouvé. Ah, et seulement au bout du troisième essai. Trouver les normes. Ce murmure épouvantable, c'est comme une démangeaison de l'esprit. C'est que nous sommes entrés dans leur domaine. Celui sur regarde. Des illusions. Des projections. Mais ne présumons de rien. Qui sait quelles autres créatures ignorent qu'elles leur servent de garde. Formidable. Qu'est-ce que c'est? Impitoyable. Qu'est-ce que c'est ce daube? Ouch! Ah, attends, ma chauffeur approche. Wouah, cette attaque de merde, qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Laisse-moi crever, moi je reviens à ma vie. Ah, mais faut arrêter, qu'est-ce que c'est ça maintenant? Tu arrives et tout, tu es les chevaliers en armure, les gars. Calmez quand même au bout d'un moment, non? Impitoyable.
Eh merde, je vais esquiver. C'est quoi la fin de ce double là? Ah ça c'est beau, ça me plaît. Ah, oh. Oh là là, magnifique. Sommes-nous dans nos esprits là? Car il m'a paru plutôt réel. Ce qui se passera dans ton esprit sera aussi réel, malheureusement. Oui, tu l'as sectionné en deux. Il gardait ce passage vers l'extérieur. Ouais, ça a rien que j'ai utilisé mon pouvoir de résurrection, j'allais le perdre. Alors que je démarre le combat, j'avais déjà plus de vie, donc ça quelque part. Ouais. Oh là là. Oh là, bon. Non ah. Putain, Kratos. Ça c'est chiant, c'est sans faire exprès quand tu touches sur les touches là. Voilà, j'ai pas besoin de machin pour le défoncer. Presque familier. C'est vrai? Mais il est différent. Quelle chance. Et un souvenir hostile, qui plus est. Ces moires devraient savoir qu'elles ne me dissuaderont pas. T'as juste voir en gros. Alors là, déjà il y a une vie. Non, il n'y avait rien de plus. Là-haut non plus. Par là on est bon. Ah oui, j'aime pas trop le feu. Allez dans la gueule. Ah ben, il y a un arbre, je m'en sers, hein. T'imagines, les mecs qui arrivent, tu leur mets un coup d'arbre dans la tronche, tu les tues, quasiment, hein, quasiment one shot. Alors que toi, tu les bourrines à coups de rage et tout. Pourtant, genre, on parle de Kratos quand même, hein, on peut pas. On peut n'importe qui, quoi. Laissez-moi deviner. Je suis un irrécupérable arrogant, je sais tout. C'est bon? Sans oublier, homme le plus intelligent que soit. Ma foi, ça teinte comme du véritable argent haché. C'est une bien maigre consolation après un tel calvaire, mais... au moins, nous n'aurons pas à nous présenter. Ne surestime pas ta réputation, Mimir. Elle lise la vie entière de quiconque les approche. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Un amalgame! De la magie folle! Un amalgame de vivre? Ma parole, regardez ce qu'il Voilà une ouverture. Oh putain.
Allez, merde, allez. Les sources, mon frère, vite. Ah merde, il faut niquer ça là. T'as beau étonner de pouvoir le tuer direct. Iou, iou. Ouch. 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 Attaque, elle m'a dit. Non, comme c'est pas une chine. Mais non, attaque. Allez, 14. Oh là là, quel handicapé, l'handicapé. Allez, dépêche-toi. Il y en avait bien des trucs, quoi. Bah, j'aurais dû me soigner là-bas. Fragment d'amulette. Ok. Par ici. Ah, flamme du chaos. Et bien, voilà. Ça, c'est bien. Les ormes se trouvent dans cette grotte devant nous. Bon, j'espère que les combats ou quoi et tout, c'est bon, là. Au bout d'un moment, un peu je bien, tu vois, mais bon, quand tu te braques 50 000 combats d'affilée, 40 boss et tout. Alors, ok. Allez, descends doucement, la vieille. J'aime que des femmes me susurrent des mots à l'oreille, mais celles-ci sont particulièrement agaçantes. Es-tu conscient que tu parles beaucoup quand tu as peur? La peur? Sache que je suis tout au plus foncièrement inquiet. Et rompre la tension par l'humour est le devoir sacré de tout compagnon de voyage. Je t'en ficherai, moi, de la peur. Je t'en ficherai, moi, de la peur. Une porte. Oh, ça fait très officiel. Oula. Écoute-moi, je t'en prie. Arrête. Pourquoi l'as-tu conduit ici? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Non. Baldur, reviens. Parle-moi. Nous sommes ta porte. J'en ai un de ces écus de merde. Regarde ce que tu veux. Regarde pour ce Priya, c'est bon, arrête au bout d'un moment. Oh, Priya. Oh. Ici, mon frère, viens me chercher. Je ne veux pas de tout ça. Mimi! Simone? Attends, mon frère.
Pourquoi tu ne t'es jamais dressé contre Odin? Mais je l'ai fait! J'ai fait tout mon possible pour l'arrêter! Oula! Tu as servi Odin du jour où tu l'as connu! Aujourd'hui, tu as scellé dans cette âme! Tu sens cette âme! Tu planifiais ses guerres! Tu le regardais son trône à tous et à toute chance! Et tu n'as pas dénué lever le feu du doigt pour les suscats qui souffrent! À toi! Je sais, Sigrun, tout ce que tu dis est vrai, mais par amour pour toi, je suis devenu un homme. Un conseiller patient, un allié de tous ceux. Et c'est une allié de Freya lorsqu'elle souffrait de Skazi, de Grand ou de Skania. Aïe. Tu as toujours été du côté des hommes du pouvoir qui les a servis. Attention, mon frère, il en vient d'autres. Même aujourd'hui, tu vois un dieu brutal en détresse et qui ne peut s'empêcher de l'aider et de le faire des frères. C'est un insurgent. Oula. Pas elle. Non. Bien sûr. Tu as fait ce qu'il fallait. Mon frère, l'arme! Il m'a tué! Ymir! D'où? Aide-moi! C'est un monstre! Atreus! J'arrive! Oh là, c'est quoi ça? Pourquoi ne pas faire confiance à ton fils? Ne me laisse pas m'emmener! Atreus! Pourquoi tu me prends les larmes direct pour mon bas? Ouch! Et maintenant, je l'ai conquis. Il a tué sa... Oh! Je suis là! Je suis en danger avec lui! C'est bon, là? D'avoir réussi. Je vois que la porte a disparu. Ou elle n'a jamais été là. Elle joue encore avec nous. Oh, quelle épreuve de merde. Qu'est-ce que c'est? Une kelpie. Il est rare d'en voir dans ces contrées. Elle doit leur appartenir. Nous mènera-t-elle à elle? Je vais lui demander, gentiment. Tout doux, ma belle, tout doux. C'est ça. Oui. Souhaites-tu parler de ce que t'ont fait subir les normes? Non. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Gentille Fifi. Des créatures adorables, mais au tempérament capricieux. D'où je viens? On disait aux enfants qu'une kelpie les ignorait s'ils s'approchaient des locs. Bien sûr, aucune kelpie ne ferait une chose pareille. À moins qu'on l'ait d'abord insultée. Elle marche sur l'eau. Oui. Il n'existe pas ce genre de destrier marin en Grèce, mon frère? Il y avait des hippocampes, serviteurs du dieu des océans. J'en ai affronté un sur un titan. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. Oula! Nous y voilà. L'antre du destin. Il y a une trésor quelque part? Non? Je sais pas. Je tente, on sait jamais si je peux voler un truc ou deux.
Kratos, Freya et la tête de Mimir pénètrent dans le foyer des Nornes, d'un pas hésitant. Ils sont enfin arrivés à destination. Kratos parle le premier. Je cherche mon fils. Tu sais que le garçon se trouve à Asgard. Non, tu cherches ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent. Tu veux connaître la fin de ton histoire? Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant. Il résiste à la tentation de grogner. Oh, il cède. Vous venez à nous, piètres archétypes, pour vous libérer de vos rôles comme si connaître vos répliques vous permettait d'en changer les mots. Parle sans détour. Tu mourras, Kratos de Sparte. Mais vous l'avez appelé destructeur du destin. Il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée. La destinée n'existe pas, Farfadet. Les protagonistes restent quoi? Ils ne comprennent pas. Il n'existe pas de destin suprême, il n'existe aucun rôle. Il n'existe que des choix. Que les vôtres soient si prévisibles nous ferait presque passer pour devineresses. Quand mon fils est né, taisez-vous! Oui, énervante, hein? Votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement. Et c'est arrivé. Parce que tu n'as pas su le laisser partir. Parce qu'il avait soif de vengeance. Et parce que tu tues des dieux. Mais ce qu'a fait Kratos, ce n'était pas par haine. Oh, devrais-je donc lui donner une couronne? Il continue d'éliminer des dieux, mais il n'y prend plus aucun plaisir. Vous êtes la somme de vos choix, rien de plus. Et puisque les tiens sont immuables, tu apprendras qu'Emdal compte tuer ton fils à Asgard, et tu feras ce que tu sais faire de mieux. Puis le Ragnarok viendra. Le ciel s'embrase, le rideau tombe. Exeunt omnes. Emdal. Une fois de plus, il se méprend. Privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion. C'est une erreur fréquente de narration. Nous partons. Il s'éloigne, suivi de près par Freya. J'ai apprécié ton histoire, Kratos. Dommage qu'elle se termine si vite. Eh bien, voilà qui était instructif. Ouais. Histoire de merde, hein. Allez, Grim. Quittons cet endroit. Avec plaisir. Déjà les choses revenir à la normale. Attendez. Cet arbre. Voilà qui est curieux. Qu'est-ce que c'est? Un nœud coulant, mon frère. Celui-là même auquel Odin s'est pendu. L'une des étapes de sa folle et interminable quête des secrets de la vie, la mort et que sais-je encore. Qu'est-ce que tu fais? C'est un objet particulièrement important aux yeux d'Odin. Je lui trouverai peut-être une utilité. D'accord. Mon frère, ce qu'elles ont dit au sujet du garçon n'arrivera pas. Oh, je suis d'accord. Cela n'arrivera pas. Nous l'empêcherons. Évidemment que nous l'empêcherons. La question est de savoir comment. Tu n'envisages sérieusement pas de tuer Emdal, j'espère. Je ferai ce que je dois faire. Ah, c'est donc ça. Tu aurais tort de l'en dissuader, Mimir. Tu connais Emdal. Je te l'accorde. C'est une
est horriblement vicieux. Et fidèle au point qu'Odin lui a confié le Gjallar Horn. Nous avons la possibilité de l'éliminer avant le Ragnarok, alors n'hésitons pas. Avec son don de clairvoyance, que cette possibilité se présente est déjà plus qu'un certain. Ouais. Ça va être une autre paire de manches, je pense. Hein. À supposer que nous soyons tous parfaitement à l'aise avec cette idée d'assassinat, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, nous n'avons pas les moyens d'atteindre Heimdall, et encore moins ceux de vous tuer. J'ai tué des dieux plus puissants que lui. Je n'en doute pas, mon frère, mais là n'est pas la question. C'est quoi la question, alors ? Je crois que nous passons à côté du message des nobles. Nous avons chacun nos penchants. Le tien consiste à foncer tête baissée vers le danger pour protéger ce que tu aimes. Je n'ai pas l'intention de changer. Pas sur ce point. Pourquoi le ferais-tu ? Mon penchant consiste apparemment à tuer ce que j'aime. Freya. Je n'ai pas besoin de ton réconfort, ni du tien, Mimir. Leurs accusations étaient cruelles. Aucun de nous ne croit. La vérité est parfois cruelle. Allez-vous me contredire là-dessus ? Non. Mais le destin de Baldur avait plusieurs causes, dont la prophétie. Que veux-tu dire, mon frère ? Les histoires de mon pays sont pleines de héros accomplissant des prophéties en tentant de les empêcher. Comme Freya, lorsqu'elle a voulu protéger Baldur. Et comme moi, lorsque j'ai accusé mon fils de trahir Asgard. Nous sommes donc d'accord. S'en prendre à Heimdall serait stupide. Non. Si Heimdall doit mourir pour qu'être vive. Alors Heimdall mourra. Comment peux-tu dire ça en sachant ce que tu sais ? Si Heimdall représente un danger pour mon fils, je dois agir. C'est dans mon... Dans ta nature. Bien joué, l'énorme. Allez, voilà, ben, du coup, on va s'arrêter là donc, pour cet épisode. On aura fini donc, toute la partie relative aux normes. Pas mal de combats. Peut-être un peu trop de combats, je pense. Mais bon, voilà, on a enfin fini. On sait où se trouve Atreus, même si... bon, nous, on le savait déjà, mais... même si je pense que les protagonistes, la Kratos et compagnie, tout ça, est peut-être une idée, mais bon... Voilà, maintenant au moins ils en sont sûrs et certains. Et la prochaine mission, je pense que du coup, on va aller défoncer Heimdall. J'ai une hâte, parce que ça trogne. Oh, comme elle ne me revient pas. Ah, il est imbuvable ce garçon. Donc du coup, voilà, ça sera tout donc, pour cet épisode. J'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite des aventures de Kratos, Atreus, Freya, Tyr... Brock, Sindri, oui, parce que voilà, dans le premier, c'était les aventures de Kratos et Atreus, et maintenant, c'est Kratos et compagnie. Dans, s'il y a une suite ou quoi et tout à celui-là, ça sera bientôt, ils vont faire un camp de vacances, ils vont tous se retrouver, ça va être extraordinaire. Allez, voilà, ciao, ciao!